بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فايسر الإسلام جو سالو avec le salut des gens du paradis. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخي الفاضل وأختي الفاضلة، أرأيت إن قيل لك سيزورك شخص عزيز عليك؟ Vois-tu, frère et sœur en islam, si on te dit, on t'annonce que quelqu'un, une personnalité, quelqu'un que tu aimes, quelqu'un que tu apprécies beaucoup, il va te rendre visite, que sera ta réaction ? C'est sûr que tu vas tout faire, tu vas préparer chez toi, tu vas parler à tes enfants, à ta femme, tu vas faire en sorte que ton chez toi soit nickel, que tu vas faire tes courses, tu vas le recevoir d'une façon extraordinaire, si je puis. تستقبل هذا الضيف بطريقة سبحان الله عجيبة لأنك تشوق لرؤيته. فما بالك إذا كان هذا الضيف ضيف الله ضيف الرحمن وهو شهر رمضان. Et que dis-tu si cet hôte est le hôte d'Allah Azza wa Jalla? C'est le hôte d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est ce mois béni, le mois de la miséricorde, le mois de la clémence, le mois du pardon et le mois de l'affranchissement du feu de l'enfer et avoir une place au paradis. C'est le mois du Ramadan. C'est l'hôte d'Allah Azza wa Jalla. C'est l'invité d'Allah Azza wa Jalla. فما بالك إذا كان هذا الضيف هو شهر الرحمة، شهر المغفرة، شهر العتق من النيران، شهر التقرب إلى الله، شهر التقوى، شهر رمضان. فأحسنوا استقبال هذا الوافد، فأحسنوا استقبال هذا الضيف. Donc, soyez, essayez de recevoir cet hôte d'Allah Azza wa Jalla, cet invité d'Allah Azza wa Jalla de la meilleure manière. Comment est-ce possible ? Eh bien, la première chose, si je puisse, c'est de le recevoir avec un cœur pieux, avec un cœur sain, avec un cœur sans rancune, avec un cœur sans haine, avec un cœur plein d'amour pour l'autre. تستقبل هذا بقلب صفي نقي بدون بغضاء ولا حسد ولا غيرة ولا غش. تستقبله بقلب يميل إلى حب الله عز وجل وحب الآخر. نقوا صفوا قلوبكم. Donc, purifiez vos cœurs de toute mélancolie, de toute haine. Et pour recevoir cette hôte, comment on peut le recevoir avec un repentir sincère. Tu te reprends à Allah Azza wa Jalla de toutes petites choses comme une grande et tu reviens vers Allah Azza wa Jalla avec sincérité et tu demandes, tu implores le pardon d'Allah Azza wa Jalla. On a dit avec tu purifies ton cœur et avec un repenti sincère. Certes, ensuite comment tu vas le recevoir? Tu te dis, tu te fais un programme, tu te dis voilà, je vais faire telle et telle chose d'Allah Azza wa Jalla, en sachant que ce mois béni, c'est une opportunité pour chaque musulman et chaque musulmane pour se repentir, pour renouveler sa foi, pour avoir l'agrément d'Allah et pour avoir l'affranchissement du feu de l'enfer, avoir le paradis. Comment on peut recevoir ce hôte qui est tant attendu, tous les ans on l'attend, chaque musulman il l'attend. Et subhanallah, ce hôte s'est invité chaque année, il ramène sa baraka, sa bénédiction d'Allah Azza wa Jalla, les mosquées se remplissent à Arbol. Et les gens ils viennent vers Allah Azza wa Jalla. Alors, أحسن استقبال هذا الوافد أحسن استقبال ضيف الرحمن. Essayez de inshallah de recevoir comme il se doit cet hôte, essayez de recevoir comme il se doit l'invité d'Allah Azza wa Jalla. Et pour vous dire à la fin, on aura inshallah d'autres assises pour parler encore plus du mois de ce Ramadan. فالله أسأل أن يتقبل منا كل العمل صغيره وكبيره وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا رمضان وأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ويهدينا ويتوب علينا وأن نسأله تبارك وتعالى في هذه الأيام المباركة أن يكون لإخواننا في غزة ويرحم ميتهم ويشفي مريضهم ويفك أسيرهم ويطعم جائعهم إنك يا رب على كل شيء قدير. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.